וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את מי? אהרון ואת בניו לאמור. זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, והמזבח תוקד בו. הוריי ורבותיי, לאור החיים הקדוש, nous parle ici de la galout et de la geoula et du Mashiach de manière très claire. Et explique que tout ce pasouk-là, c'est ça qui vient nous apprendre. Ce pasouk-là, Tzav et Aaron, Zot Torah Ta'ola, Hi A'ola Vechoulé, nous parle de la galout et de la venue du Mashiach Bimera Be'amen. בדרך רמז, דיל רב, אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. תרמוז על הפרשה, כל הפרשה, על גלות האחרון שאנו בו. לפרשה, fait allusion à la dernière galout dans laquelle nous nous trouvons. לנחמנו מעיצבון נפשנו, pour nous consoler de notre tristesse. C'est-à-dire, ce pasouk-là, il vient nous réjouir. Nous, on étudie Korbanot. Il est où Aaron? Il n'est pas là, Aaron. Haval. Parce qu'Aaron, il fait Chumash Rashi bien comme il faut. Et là, maintenant, il va avoir un nouveau pshat à Aaron. Aaron et Ron. Aaron, écoute. Non, mais si tu n'écoutes pas, tu rates la venue du Mashiach. Parce que tu sais, tu fais Rashi sur la parasha toutes les semaines. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Et là, Rashi, il nous dit des pshat, pashut. C'est quoi Ola, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Aval Orachaim, écoute comment il explique le pasuk. Écoute bien. Nous dit l'Orachaim Akadosh que ce pasuk-là vient nous consoler de la tristesse de notre galout. Galout, exil. Vient nous consoler. כי כל איש ישראל מענאי נחם נפשו בראות אורך הגלות, כך שק ג'ויף באמת, שק ג'ויף אופון לוי, מענאי נחם נפשו רפוז d'être consolé lorsqu'il voit la longueur de la galout. Ça se termine pas. Ça se termine pas. Encore un Tisha B'Av, et encore un Tisha B'Av, et des histoires sur des anciens Tisha B'Av, des histoires sur Napoléon à l'époque de Tisha B'Av, des histoires toutes. Combien de Tisha B'Av? Combien? Combien de fois on nous dit Mashiach arrive, Mashiach arrive? Combien? Bémet, c'est très dur, très très dur de trouver un Yehoudi qui met sa paix les Yishua. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun. C'est sûr qu'il y a des grands tzadikim qui sont metzapim lishua à chaque instant. Mais je crois qu'on est très, 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 très enseveli en dessous de la galout Edom. Et que quand on parle de Mashiach, alors on espère parce qu'on est des Yehudim. Et la preuve, c'est qu'on vit notre vie au quotidien avec des projets, avec tout, avec comme si que, qu'on va vivre notre vie normalement, comme tous ceux qui ont vécu leur vie normalement jusqu'à la fin. On n'attend pas Mashiach chaque instant, en se disant, Mashiach arrive, pourquoi je fais des projets? Pourquoi je mets de l'argent de côté? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inquiète pour le mariage des enfants? Pourquoi? Si Bémet, on vivait avec la venue du Mashiach chaque instant, alors on s'inquiéterait beaucoup moins de tout ce qui se passe chaque jour. Mais c'est la situation. Ce qu'il dit ici le Rav, qui colle Israël, mais Anaï Nahem Nafsho, Bir Oto, Orecha Galout, combien elle est longue cette galout, à tel point que quelque part chacun d'entre nous a un petit point, Hazou Shalom, de Yehush. Venir et Nir et les Midoma. Voyons à qui elle ressemble, notre galout. Elle est incomparable à aucune des galouyot. Les Mitzraim, Arba Meot. Galout Mitzrayim, la fameuse galout qu'on va maintenant célébrer, la Geoula qu'on va célébrer. Ah, c'est d'ailleurs pour ça il y a des mefarshim qui disent que c'est pour ça que Tzav c'est juste avant Pessah. Parce que Tzav, ce pasouk-là, nous parle de la Geoula.
Et Pessah, c'est la Géoula. Alors, si on compare notre galoute à la galoute d'Égypte, 400 ans. 400 ans. C'est long. 400 ans. C'est passé. Babel, combien? 70 ans. Les Shneim Yahad, les deux ensemble. Fait galoute Mitzrayim, galoute Babel ensemble. Combien? 470 ans. Venayom, Elef, Taf, Resh, Ain, Bet. Et aujourd'hui, à son époque du Rahaim, quand il écrit cette phrase, cette ligne-là, 1672 ans. Nous, on est presque à 2000 déjà. 1994 ans. 1994 ans. Le Rahaim, il écrit ça, 1672 ans. 300 ans, 322 ans. Il y a 322 ans qu'il a écrit ça. Nous, on est passé encore 322 ans. Tu imagines s'il écrivait ça aujourd'hui? Maya Helod! Qu'est-ce que j'ai encore à espérer? Hasb Shalom, tout ça, c'est une avamina. Tout ça, c'est une avamina, Rabotaïken. Mais la galoute levad, si c'était que la galoute. C'est quoi la galoute? On est exilé de notre terre. On n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de korbanot. On n'a pas les Trumot Masor de Raita. On n'a pas tous les dinim de la Torah. Parce qu'on n'a pas de terre. On est exilé de notre terre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas notre terre encore. On n'a pas Yerushalayim. Qui c'est qui se trouve à Arabaït? Shem Irachem. Qui c'est qui se trouve à la tête? Irachem, mais Irachem. Pire que Arabaït. On est en galoute. Si c'était que ça encore, ça va. Ça va pas, mais ça va. Mais le galoute levan, et là, on se fait persécuter par les nations, ça fait 1994 ans. On est persécuté sans arrêt depuis qu'on est sorti du Beth Amikdash, la destruction même du Beth Amikdash, qui est un massacre. Et depuis, de galoute, de massacre, ad etzem ayom azé, jusqu'à aujourd'hui, où les juifs sont persécutés dans le monde entier. Et ça fait qu'empirer. Avec toute la civilisation zarma, ça fait qu'empirer. À l'époque de la Shoah, l'Allemagne était très civilisée, ultra civilisée. C'était pas des barbares de l'époque des croisades. C'était des gens ultra civilisés, c'était la civilisation, la crème de la civilisation humaine. C'était l'Allemagne. Des gens tous intellectuels. Les Allemands. Regarde ce qu'ils ont fait. La civilisation, elle ne doit pas nous mettre en sécurité du tout. Et croire que parce qu'on est dans un monde plus moderne, alors on ne peut pas avoir affaire à ce qu'il y a eu avant. Pas du tout. L'histoire nous le prouve. Qui kol goy ou mamlacha bivne Israël yaavodu. Toutes les nations, Am Israël les a asservis. Ça veut dire on s'est fait asservir par toutes les nations, dans toutes les galouyotes. Dans tous les pays. Vacher ze yesovev hashov lotov. Et ça, dit le Rav, ça entraîne que l'homme ait des mauvaises pensées. Qui sifte emet, lo ukara, bekonenut, ve'ericha lashon sheker. Il y a un pasouk qui dit comme ça. Juste ce pasouk qu'on va expliquer pour expliquer les mots du Rav. C'est très beau, c'est une mélitza, c'est très beau. Le pasouk dit, sefat emet ikon la'ad, ve'adargi'a lashon sheker. Sefat emet, la parole véritable, le émet, se tiendra à l'éternité. Adargia, mais juste un instant, il y aura le shaker. C'est-à-dire, le shaker ne peut pas tenir. En, la shaker, en reglaim. Il n'y a pas de pied au shaker. Oui, comme vous connaissez toutes les lettres shaker. C'est la Gemara qui dit ça. La shaker, en reglaim. Ava le émet, tikon la ad. Il a des pieds, le émet. Donc, quand on voit le émet est censé tenir à l'éternité. Et le shaker est censé s'écrouler rapidement.
Et là, on voit l'inverse. Ah, c'est ce qu'il dit le Rav. Kisfat emet, lo ukira bekonenut, tikon la'ad. Le emet, lo ukira bekonenut. On ne voit pas comment il tient l'éternité. Hazu shalom, presque on ne voit pas le emet. On est dans la galoute. On a beau nous dire, nous promettre que Bezrat Hashem, voilà, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mais on ne voit pas. Ve'ericha leshon shekir. L'inverse. Shekir, c'est écrit dans le pasuk. Ve'argi'a, argi'a rega echad. Un instant va tenir le shekir. Et là, on voit ericha leshon shekir. Oui, le shekir, le monde est rempli de shekir. Le Zohar appelle ce monde, Rabbi Shimon appelle ce monde Alma de Shikra. Le monde du mensonge. Et on vit dans un monde mensonger, sans arrêt. Tout ce que les nations font, tout ce qui se passe dans tous les pays, toute la terre à Bretagne. Toute la terre, c'est du Sheker. Pelle plein. Si on peut ouvrir Mishina un petit peu. Bon, merci. Voilà. Et là. Toute la terre, c'est du chèque. Le football, c'est du chèque. La musique, c'est du chèque. Tous les centres d'intérêt, c'est du chèque. Toute la terre, c'est du chèque. Il faut être fort pour dire ça. Il vient un comme ça, il dit, à Bataille, toute la terre, c'est du chèque. Les Américains, c'est du chèque. Les Italiens aussi, avec leur pizza. Et toute la terre, c'est du chèque. Alors, qui c'est qui dit Emmett? Ça, c'est honnête. Comment tu dis, toi, tu viens un, et tu dis, tout le monde se trompe. C'est hatouf. Tout le monde se trompe. Hein, on peut dire ça, Elio. On peut venir nous dire, toute la terre se trompe. Donc, tu veux dire quoi? Comment tu vas contre toute l'humanité, toutes les idéologies, contre toute la terre, tu te tiens? Mon père, il a fait ça. Qui c'est mon père? Hein? Avraham Avinu. Mon père, il a fait ça aussi. Je suis son fils. Tel fils, tel père. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Amen, alvaï. Tel père, tel fils. Ouh, te barba. Quel kavod. Tel père, tel fils. Mon père, il s'est tenu, mais Averichad, et toute l'humanité, mais Averichad. Avraham a ivri. On va dire ça bientôt dans la Haggadah. Avraham a ivri. Lui se tient d'un côté du monde et de l'autre côté, toute l'humanité. Et Avraham, il vient, il dit à tout le monde, vous vous trompez. À toute l'humanité. Et c'est des gens beaucoup plus philosophes qu'aujourd'hui. Il dit à tout le monde, vous vous trompez. Un homme. Il a raison. Madak, il a raison. Sur Bahar Banu, Mikol Aramim. Quand je brûle, il s'est dévoilé. Quand il s'est dévoilé, il nous a choisi à nous, Bnei Avraham, Yitzhak v'Yaakov. Donc il avait raison, papa, n'est-ce pas? Uba, Atsofe, Umabit, Atsof, Kola, Odorot, il vient, Atsofe, Atsofe, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui voit jusqu'au bout de toutes les générations. Kore, Adorot, Merosh, qui a gérer les générations à l'avance. Shemit Barach. Veodia ale Moshe, les arrêts d'Israël. Il vient à Kadosh Bokhush, Tabarchemo, il dit à Moshe, tes arrêts est Israël. Tsav, en tsav el alashon, zirud, miyad, veledorot. Tsav. À qui il a dit tsav? À Moshe. Tsav qui? Tsav qui? Aaron, Aaron, ça va être Aaron, non tu t'appelles Aaron. Ça va être Aaron. Aaron va être Banav. Les enfants d'Aaron, c'est des Kohanim et Aaron c'est un Kohen. Ken. Ordonne, Zirouz, Mashiach arrive. À qui il faut ordonner? À qui il faut parler de ça? Aux Kohanim. C'est quoi les Kohanim? Sifte Kohen, c'est qui Sifte Kohen? Torah Yevakshu Mipiou, c'est les Bnei Torah. Les Kohanim, c'est les Bnei Torah. Torah Yevakshu Mipiou. Le Kohen représente la Torah Kadosha. Et à qui on parle en premier? Aux Bnei Torah. Comme vous. C'est à vous qu'on s'adresse. C'est à vous, quand on parle de Mashiach, c'est à vous qu'on s'adresse. Toi, Israël, sont intéressés quand ils entendent Mashiach.
Quand on fait sur un cours sur Mashiach, tout le monde est intéressé. Mais à qui on s'adresse quand on parle de Mashiach? Au Bnei Torah. Asherem Israël, Talmidei Chachamim, Shedivrei Torah Chavivim Aleichem. Parce que c'est par la Torah que le Mashiach vient. Comme on va voir par la suite. Ouvrosham dit le Rachaim Akadosh Bnei Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe pour lui dire et lui annoncer la Géoula, il lui dit parle à Aaron ou Banav. Explique-leur comment ça va marcher la Géoula bientôt. Aaron ou Banav, c'est les Bnei Torah. Les Bnei Torah. Aaron ou Banav, le Odiya, la Dorot et Tadavarazé. Ça, c'est les mots. Tzav. Et Bnei Israël. Tzav et Aaron, et Banav. Les morts. Les morts, que eux, ils enseignent ça à toutes les générations. Quoi? Zot Torah ta'ola. Il y avait beaucoup de ola. Ola, c'est monter. Beaucoup de fois, Am Israël est monté. Quand on a été en galoute en Mitzrayim, bientôt Pessah, on va lire. Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va raconter toute la nuit? La Géoula. La Géoula de Mitzrayim. La Géoula de Mitzrayim, c'était une montée ou une descente? C'était une montée. Zerola, Zeralia Tsuma. Après, on était en Babel. On est remonté de Babel. Avec Ezra, Sofer et tous les tzadikim. Bet Amigdash Sheni, Zerola. Zerola, Zerola, Zerola. Aval sache, Zot Torah Tarola. Voici la vraie Rola. Zot, celle-là, et aucune autre. C'est-à-dire qu'on parle de la Géoula finale. C'est la vraie Aliyah que Acharea et Nirida. La Géoula qui arrive bientôt, Bezat Hashem, c'est une Géoula qui n'a plus après d'exil. C'est terminé. Terminé. Car Chazal en rime. Il n'y a plus d'exil après Ishtabar Shemonat. Zot Torah Ta'ola. Amar zot le maet kol aliyot she'en kamoa ola, il n'y a pas d'aliya comme celle qu'on va vivre bezrat Hashem là ce Pessah. Qui c'est qui part pas Pessah kol akavot? Ce Pessah là on va vivre bezrat Hashem yiratzon zot Torah Ta'ola, la vraie aliya, la aliya finale, la geula amitit éternelle. Vehazar upiresh מי היא זאת? ואמר, היא העולה כבר, celle qui est déjà prévue, destinée. דכתיב, מי זאת עולה מן המדבר? C'est celle, c'est עם ישראל, מי זאת עולה מן המדבר? C'est עם ישראל qui était dans le désert. Qui était כבר dans la עולה, qui est sortie d'Egypte. היא העולה, c'est elle, cette עולה, celle qui a eu, déjà qui a vécu cette alia là, מי זאת עולה מן המדבר? זאת עולה מן המדבר. זאת העולה, celle-là, elle aura une alia définitive. Comment? Al mokda al amizbeh. Emshne pratim shanu bahem. Ce sont deux éléments dans lesquels nous nous trouvons, qu'on vit aujourd'hui dans cette galoute. Ahad shanu bnei Torah. Pas qu'on vit. Et là, la différence qu'il y a entre nous et les Umot. Premièrement, nous sommes des bnei Torah. Baruch Hashem, on est des bnei Torah, on skim b'Torah. En 2024, il y a encore des juifs qui étudient la Torah de Moshe Rabbeinu, en 2024. Plus de 3500 ans après le Matan Torah, on lit ce qu'il a écrit Moshe. Vous vous rendez compte? La même chose. Plus de 3500 ans après, tous les Shabbat, on lit la Torah Kedusha. Et dans les Batei Midrashot, on étudie le pirouche de des psukim de la Torah. La Torah chez Be'ikhtav et la Torah chez Be'alpe. La même chose qu'ont étudié tous nos ancêtres depuis et même avant Matan Torah. On étudie encore aujourd'hui 2024. Quelle sroute on a, quelle sroute on a. Quelle sroute on a qu'on ait encore la lumière de Am Israël, celle de la fin des temps. C'est nous encore qui l'illuminons. Quelle sroute, on ne peut pas s'imaginer combien Kadosh Baruch Hu. Il est fier de nous, il va nous récompenser. On ne peut pas s'imaginer.
אי אפשר לתאר רבותיי ולשער למעלה דו עסק התורה. חזל נודיז, ירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה. זה עשה לי פסוק, לא תהילים. כל חפציך לא ישבו בה. חפציך זה תזנטרי. זה כתויים, זה אובג'ה, חפץ זה אובג'ה. מחפציך זה מלשון חפץ. חפץ! מי יש חפץ חיים? זה כל חפץ? דזיר. כל חפציך, tout est désir, לא ישבו בה. Ne sont pas à égaliser, ne sont pas comparés à la Torah. Tout est désir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu aimes? Un homme, il aime, on va dire, sa famille. C'est des valeurs, ça. C'est vrai, ça. Sa femme, ses parents, ses enfants. Il aime encore plein d'autres choses qui ne sont pas forcément négatives. Kol hafatzecha. Tout est hafatzim. Tout est désir. Lo ishvuba ne valent pas un mot de Torah. Ça, c'est un pshat. C'est pas mal, nakhon? Mais j'ai rien dit encore. Le Yerushalmi dit afilu hafze shamayim. Pas seulement hafatzecha. J'ai dit la famille, j'ai dit ça. Beaucoup plus que ça. Hafze shamayim. Les mitzvot. Un homme, il est hafetz, shamaim, de faire la brit mila à son fils. Le hachouf zé. Il y a plus important que ça. Hafetz shamaim, de mettre les tefilin. Hafetz shamaim, de faire shabbat. Tous les hafetz shamaim, lo yishvou, un mot de Torah. Kol hafatzecha lo yishvou ba, afilu hafetz shamaim. Ils disent Hazal, afilu hafetz shamaim. Tout ce qu'un homme, il a envie de faire comme mitzvot, et tout ce qu'il fait comme mitzvot, ça ne vaut pas un limoud Torah, ça ne vaut pas un daf de Gemara. Kol hafatzecha lo yishvou ba. On n'a pas de notion qu'est-ce que c'est l'importance du S14 et de Shem. Bien sûr qu'il faut qu'il soit fait avec de bonnes midot. Le Shem Shamay. El lanu moussang. La force, l'impact de la Torah. Et en 2024, je répète, ah, Bichlal. Aïn l'orata, Elohim Zolater. Maya, c'est la m'hakelo. Chaque bahour et avrech et chacham qui s'efforce à étudier la Torah dans notre génération. En le ma'la mimelo. En le ma'la. En. Bekola olam kulo. Toutes les mitzvot ne peuvent pas être comparées au Esek HaTorah. Ah, ça, c'est. Ha'ahad sha'anu b'nei Torah. Dans toutes les nations, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Même pas de Torah, et il n'y a pas rien, rien. Comme rien du tout. Ah, madomé, le hamo. Vacheni, chanou meyusarim, bagalout, veissurim, vedalout. À part ça qu'on est bené Torah, en plus, on est soumis à beaucoup de souffrances. Galout. C'est facile d'étudier la Torah dans la galoute? Oh. Combien d'épreuves on a? Issourim! Combien de maladies? Combien de choses qui perturbent? Combien de soucis? Combien de problèmes familiaux? Combien de problèmes de santé? Combien de problèmes de parnassa? Ça, c'est dalout, la pauvreté. Ceux qui étudient la Torah, avrichim. Avrichim, qui doivent être des rois, ils doivent être. Pas des Rosh Memshala, ils doivent être. Des rois, ils doivent être. Ils doivent avoir des royaumes dans chaque pays au monde. Chaque avrich, normalement, il devrait avoir un royaume. Un royaume, pas un palais. Un royaume dans chaque pays du monde. Chaque avrich. Comme des rois, il y a un roi comme ça aujourd'hui. Partout où il va, aujourd'hui ou avant, je m'en rappelle. Partout où il va, il a un royaume. Hein, c'est Rav Verdugo qui avait dit ça, non? Comme ça, il doit avoir un avrech. Un avrech comme ça, du kollel. Partout où il va, il a un royaume et un chauffeur qui le prend de l'aéroport au royaume, qui l'amène où il veut, un chauffeur dans chaque pays et une chayara de voiture, pas une voiture. Chayara, comment on dit chayara? Hein? Un convoi. Un convoi.
15 voitures devant, 15 voitures derrière et lui au milieu. Ça, ça doit être un avrir. Ça doit être le kavod qu'on fait à un avrir. Et avec tout ça, on est loin de lui donner le kavod qu'il mérite. Et à la place, qu'est-ce qu'il a? Il a 2000 shekels par mois. Il vit dans... Je ne sais pas comment ça s'appelle, où il vit. Il s'appelle ça studio, une boîte de conserve, de... je ne sais pas comment c'est. Ils ont fait deux trous pour avoir de l'air. Dans le mur. Peut-être un peu de lumière. Ils sont là-bas 7 ou 8. Et il vit. Et il mange ce qu'il peut manger. Et il vit toute la journée, il étudie à Torah. Dalout. Dalout, c'est la galoute en bataille. Bien sûr, il faut passer par là pour l'instant. Dalout. Oui, comment tu vas vivre, comment tu vas faire, comme ça ils parlent nos parents. Comment tu vas vivre, comme ça c'est. C'est une gzirat akatouv. Depuis que Moshe Rabbeinu a cassé les louhot, il y a un décret sur les Talmidei Chachamim qui seront pauvres. Mais maintenant, on voit des Talmidei Chachamim qui sont riches. Ça veut dire quoi, ça, Rabotai? Ça veut dire qu'on y arrive, ça y est. On commence à lever la tête. Léat, léat. Ça veut dire que la Géoula est proche. Parce que aucun des temps, il y a eu ça. Tu as des avrichim aujourd'hui. Pourim, veille de Pourim, ou Pourim même, j'étais à la synagogue. Moi, je prie le matin. Et là-bas, il y avait deux ou trois qui parlaient comme ça. Il faut donner Matanot Levionim. À qui on donne? À qui on donne? Un avrichim. Tu dis, qu'est-ce qu'est l'avrichim? Quel avrichim? Ils ont tous des dirotes. Mais sinon, nous, on travaille tous. On n'a pas d'appartement. Les avrichim, ils ont tous des appartements. Ma avrichim, il faut un avionim. Zé, avionim, zé. Ils ont commencé à vivre quoi? Un débat là-bas dans la synagogue. Je ne dis pas, c'est pas à 6h du matin. Emmet. Tu vois, les avrichim aujourd'hui, ils ont des maisons. Ils ont acheté. Ils ont tous acheté. Et ceux qui travaillent, ils gagnent beaucoup plus, 20 000 et 30 000. Et ils ne sont même pas dans la vamine à d'acheter. Comment c'est possible une chose pareille? Il y a quelqu'un qui peut expliquer ça. On leur pose la question aux avrichim. Ils font comme ça. Non, les maîtres, ils ne savent pas. Vous savez, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que Mashiach arrive. Et on commence maintenant à voir la lumière qui jaillit, le émet qui jaillit, que celui qui est en sec Torah, c'est lui qui est mévorah. Ça commence. Ça n'a jamais existé, c'est une chose pareille. Qu'aujourd'hui, les avrichim, ils ont tous des appartements. Pas tous, mais beaucoup. Ils ont fait des statistiques. Les statistiques, il y a longtemps, j'ai vu ça déjà, j'ai entendu ça déjà aussi. Que chez les Haredim, 70% ils ont un appartement. Je ne me rappelle pas des chiffres. 70% comparé à 30% dans le Mixar normal. Après. Parce qu'il faut qu'on continue. 70% des Haredim, ils ont acheté. 30% des Hilonim, ils ont acheté. Comment t'expliques ça? Maintenant, regarde les statistiques des revenus. Moins que le SMIC, chez 90% des Haredim. Et chez les autres. Donc, comment t'expliques les... Comment ça marche? Géoula. La Géoula arrive. Mashiach arrive. Behemet, celui qui est Hohez Batora, celui qui Marzik Batora, c'est lui qui Mevorach. Vadaï. Maintenant, ce n'est pas encore ce qui doit être. On n'a pas encore comme on dit, Shayara, convoi. On n'a pas encore le convoi, on n'a pas encore les palais dans chaque pays. Haké. Ça vient. Minegeda Torah, Amar al-Mokda. Donc on a dit, la Torah c'est quoi? Al-Mokda. Mokda, c'est quoi Moked? Moked du Misber. C'est quoi Moked du Misber? C'est quoi Mokda? Non, t'as fait Rashi. Al-Mokeda, c'est quoi Moked chez la Misber? Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est le feu qu'il y a sur la Misber. Il y a le Moked. Il y a plusieurs Mokdim. Il y a le Moked, c'est l'endroit où il y a les bûches là-bas. Et on allume le feu. Et là-bas, on brûle. Donc Moked, c'est le feu. Et la Torah, c'est du feu.
שנמשלה התורה לאש. וכן תמצא שאמרו, אייצור מרבנן דרתך, אורייתא כרמרת חלה. תשובה תמיד חכם, כי רותח, הנה פה כמו זה שור. Un peu trop chaud comme ça. Il crie dans le limoud. Personne ne comprend pourquoi il crie. Il crie. Il est chaud. Pourquoi il est chaud comme ça? Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Aaron, tu ne comprends pas, on comprend pourquoi il crie. On s'entend plus là. Si tu vois ça, sache, Torah kamerat halit. C'est la Torah qui le fait bouillir. Meratra, c'est bouillir. La Torah. Elle chauffe, comme il est dit dans le pasuk, alors qu'on dévarie ka'esh, mais où ma chaîne, c'est de ce pasuk qu'on a. Dévarie ka'esh, ma parole, c'est la Torah, elle est comme le feu, mais où ma chaîne. Donc mokda c'est le feu, c'est la Torah de Macha. Ok, neged agalut va anafav, et par rapport à la galut, on a dit le deuxième point, c'est quoi? Ala misbeyah, sur le misbeyah, c'est quoi le misbeyah? Kaparot. Misbeach il est mechaper, comme quelqu'un il a des issurim, ah kapara kapara, il y a misbeach kapara, il y a le juif kapara. Lui aussi il est kapara, il a des kaparotes, il a que des kaparotes, comme le misbeach qui est mechaper. Pareil le yehudi aussi il est mechaper. Je te barre chez moi l'arête. Aïe, 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 c'est la galoute. Top. Alors on a passé, c'est pas grave. On continue. Mitiahes de Shem Mizbeh Liotam Kapara Vechenu Belashon Hachamim Veodia Katouv Kibem Tsaout Shnedvarim. Grâce à ces deux choses-là, qui sont la Torah, on a dit la Torah et les Issourim, la Torah et les Issourim, Tiye Aliyatenu Meyuedet Baflagata Meulot. Sera notre alia destinée à être la aflaga des aliot, la plus grande des aliot. Elle sera merveilleuse, merveilleuse notre alia grâce à la Torah et grâce au Issourim. Au Issourim. On est un peu de Zohar. J'ai sauté, j'ai souligné quelques passages de Zohar, mais j'ai oublié de les lire. Mais c'est pas grave. Alors voilà, on va lire un autre passage, si vous voulez, qui parle du Mashiach. Vous voulez? Yala. Je lis la traduction au Zohar lui-même. Un peu de Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Padarvama. Vezacharti Brit Yaakov Malé Bevav. Yaakov, comment on écrit Yaakov? Qui c'est qui s'appelle Yaakov? Yaakov Ilel. Comment on écrit Yaakov? Yud. Aïn. Kouf. Bet. Sans veuve. Là, Vezacharti Brit Yaakov avec Vav. Yud. Aïn. Kouf. Vav. Bet. Qu'est-ce qu'il fait là ce Vav? Toute la Torah, Yaakov s'en veuve. Amai, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et la bitren citrin yu raza de chokhmeta. Tov, un peu de Kabbalah. De côté, il y a le sod de la chokhma. Hadad yu raza de darga de chokhmeta atar de sherebe Yaakov. Un, l'endroit où se trouve Yaakov. Aval haikeral galuta d'Israël itmar. Mais ce pasouk là, avec le Yaakov, avec le Vav, parle de la du temps de la galoute de Am Israël, de Chadinun Gao Galuta, lorsque Am Israël sont dans la galoute comme nous. Le jour où ils vont être délivrés, il y aura la Geoula, itpakedun beraza des Vav, ils vont être délivrés par le secret qui s'appelle Vav. Vav, c'est la Torah. La Torah, c'est Vav. Shisha Sidr Mishnah. Shisha, c'est Vav. C'est la Torah Kedosha. Et Gam, le Elef Hashishi, le sixième millénaire, c'est Vav. Donc le Vav fait allusion à la Geoula. Et la Geoula viendra par l'intermédiaire de la lettre, par l'intermédiaire de la lettre Vav. Veyu Be'elef Shetita'a, dans le sixième millénaire. C'est déjà écrit dans le Zohar que ce sera que dans le sixième millénaire. Upkida Beraza Devav Shit Riga'e Upelagidan. Et la pkida, ça veut dire la geoula, qui est allusionnée par le vav, elle sera 6 instants et un demi-instant. Shlomo Haïm, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ça. 6 instants et demi.
C'est des secrets, ça. Ubizimna de shitin shenin le'abura de dasha be'elef shetita. Et lors des 70 ans du cadenas de la porte, le sixième millénaire, Yakim Elaha Shemaya Pekidu Librate de Yaakov, Akadosh Baruchu, Elohe HaShamayim va apporter le souvenir aux enfants de Yaakov, c'est-à-dire la Geoula. Umeahu Zimna, et à partir de ce moment-là, Shit Shenin Haranin, six autres années, durant 6 ans, et demi. Six ans et demi. Mais après ce temps-là, encore 6 ans, veinun, shivain, vetren, upalga, qui font 72 ans et demi. Parce qu'on avait 60 ans avant, on a dit 60 ans, plus 6 et demi, plus 6, ça fait 72 ans et demi. Celui qui peut m'expliquer la vérité. Nakir Lotova. Veshitin Veshit Idgale Malka Meshiha Bar'a de Galil. La 66e année se dévoilera Mashiach. Rabota, il y a la date du Mashiach. Il y a la date du Mashiach. La 66e année se dévoilera Mashiach. Où ça? Be'eretz Galil. Rav Kook de Tveria, il dira, il dit toujours, et c'est écrit ici, que le Mashiach se dévoilera à Tveria. Comme ça, de là-bas, il y aura la Géoula. Il a dit ça cette semaine. Tveria. Tveria, c'est Ira Kodesh. Alors, il y en a qui disent Tveria, c'est un peu plus haut peut-être. Peut-être c'est Tzfat, il y en a qui disent Tzfat, il y en a qui disent Tveria. Fale Inouka, il a fait tout un chiur sur ça. D'où viendra la Géoula, ou d'où commence la Géoula? De Tzfat, de Tveria, de quelle région du Nord? Quelle région du Nord? Yahya Vénéré. Vechad kochava de mistar mizrahi balla sheva kochvaya mistar tzafon. Alors écoutez ce qui est écrit ici. Et il y aura une étoile à l'est qui avalera 7 étoiles du Nord. Une étoile de l'Est avalera 7 étoiles du Nord. Rabbi Shimon Bar Yochai, des névoies. Ça peut expliquer plein de choses, ça va. Le Nord, la Corée du Nord. 7, top. Beshalhova de Shaouchma et une flamme d'un feu noir. L'âme d'un feu noir. Ça vous rappelle des choses, ça? Te'e talia birkia shitin yomin. Elle sera suspendue dans le ciel 60 jours. Flamme d'un feu noir. 60 jours dans le ciel. Un grand boom. Vekarvin, vekravin. Et des guerres. It arun be'alma listar tzafon vont s'éveiller dans le monde du côté nord, du nord, comme il écrit Mitzafon, Tipatahara. Vishne Malachin, Nipelun, Benun, Kravin, 2 rois vont tomber dans ces guerres, durant ces guerres. Vizdavgun, Kulun, Amemeya, Alberatede, Yaakov, Le Athaya, Le Me'alma. Et là, bientôt, vont se réunir toutes les nations sur la fille de Yaakov, c'est-à-dire nous, Am Israël, pour l'éliminer du monde. Toutes les nations, vous savez que là, ça tourne au vinaigre. Je sais pas si vous... Non, vous savez rien, tant mieux. Mais là, les États-Unis, ils commencent à parler très, très sévèrement sur Israël. Ils commencent à faire des sanctions sur Israël. Jamais il y a eu ça. Depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a jamais eu ça. Il y a des sanctions qui commencent à être faites. Il y a des gens ici en Israël qui sont interdits d'entrer aux États-Unis. Jamais eu ça. À cause de la guerre de Gaza. Et là, il commence à parler avec un ton de plus en plus sévère.
L'ONU, j'en parle même pas. Et Baruch Hashem. On avance. Il faut qu'on arrive à une situation où toutes les nations veulent exterminer Israël. Voilà, quand ça arrivera, à Bataille, on y est. Et on y arrive. Ça va dans le bon sens, Baruch Hashem. Par contre, sur ce moment-là, sur cette période, il est dit Et Sara il est Yaakov. Lo alenu, ce sera un temps qui est difficile pour Amisraël. Difficile, ce sera la panique. Là, pour l'instant, on continue à avoir des accords d'armes. Il y a certains pays déjà qui ont interdit les sorties d'armes pour Israël. Ils ne fournissent plus les armes. C'est fini. Et l'Amérique est en train d'en parler. Et elle a de la pression de toutes les nations du monde pour interdire l'export d'armes vers Israël. Ça veut dire s'il n'y a plus d'export d'armes pour Israël et qu'il y a une guerre demain, ils sortent avec des fourchettes. D'accord. Si les Chinois, ils exportent les fourchettes encore. Je ne sais pas s'ils vont continuer. Sinon, il n'y a plus rien. Plus rien. La bataille. Plus rien. Parce que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est des États-Unis. Tout ce qu'ils ont, même le financement. C'est-à-dire, ils leur vendent les armes et c'est eux qui leur donnent l'argent pour acheter les armes. Oui. Ils s'achètent les armes, je ne sais pas comment ça marche, et ils les donnent en vérité. Si demain ils arrêtent, c'est fini. L'économie d'Israël, elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. C'est-à-dire, si l'économie elle s'écroule, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils rêvent tous. Dit, ne dis pas que c'est ta force qui fait. Ne dis pas que c'est Tzahal. Ne dis pas. Eux, ils disent Tzahal. Ils mentent à tout le monde. C'est pas Tzahal et c'est rien du tout. C'est tout l'argent qu'ils reçoivent des États-Unis. Et si demain ils coupent les robinets, ils ferment les robinets, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de ça. Ils n'auront même pas des balles pour leur pistolet. Plus rien. Ça va arriver. Akadosh Baruch Hu va montrer à tout le monde. C'est lui qui dirige le monde. C'est Hachem Itbarach qui dirige son monde. Hachem Ishmil Hama. C'est lui qui fait les guerres. Et c'est lui qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Et qui continuera à protéger. Mais ça, il l'a fait de manière voilée jusqu'à maintenant. Ou plutôt, les gens l'ont voilé. Les gens ont fait un écran et ont effacé Hachem Itbarach en disant que c'est eux qui font tout. Et Akadosh Baruch Hu, il va montrer la vérité. Et il va montrer comme quoi l'homme est totalement incapable. On ne peut rien faire. Mais c'est tellement pashut comme scénario. C'est en train de se réaliser. C'est tellement pashut. S'il ferme le robinet, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est ce qui va arriver. Bezrat Hashem. Alors il y aura Etzara. Et Sarah, on a dit, pas pour ceux qui sont au Bet Midrash. Ceux qui sont au Bet Midrash n'auront rien à craindre. Ceux qui sont attachés à la Torah n'auront rien à craindre. Et même les autres, ils auront à craindre. Avalou Mimena, Ivashéa. Aval, ils seront délivrés à la fin. Ils feront Tchouva. Tout Am Israël va faire Tchouva. Et ceux qui ne vont pas faire Tchouva, ils ne font pas partie d'Am Israël. C'est Erev Rav. Il y aura le tri qui sera fait de manière claire. Et là, qu'est-ce qu'il y aura, Rabotai? Les Neshamot sortiront du corps, elles devront se renouveler. Il y aura triatametim collective, même de ceux qui sont vivants. Comme ça, écrit le Ramchal, c'est écrit ici dans le Zohar. Que tout le monde devra subir la mort un instant et revivre. Parce que la mort, c'est un tikkun. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est bien. C'est tout est écrit dans la Torah, Shishim Veshesh. On parle des 70 ans, donc. Après la 73e année, tous les rois du monde vont se réunir à la grande ville qui s'appelle Rome, parce que là, on est encore dans la Tzara, oui. On n'a pas fini, là. Là, on est en pleine guerre. Tout en Israël, tous les goïms sont contre Israël. Et là, ils vont tous se réunir. Quand, où? À Rome.
Romi. Romi, ce n'est pas forcément à Rome d'Italie. Peut-être aussi. Il y a le Vatican qui est à Rome, qui est en Italie. Le Vatican, c'est l'Italie ? Oui ? Le Vatican, c'est un pays. C'est le plus petit pays du monde. Il fait, je sais pas moi, 1 km². Ça, c'est le Vatican, même pas 1 km². Je sais pas comment il fait. C'est un pays, le Vatican. Vadaï. Vous savez ce qu'il y a là-bas ? C'est tout l'équilibre du Betamigdash. Il peut se vanter d'être un pays. Il est plus important que tous les pays. Il y a le Betamigdash là-bas. Les Kélim du Betamigdash sont au Vatican. Je te marche, moi. Ils vont se réunir à Rome. Tous les rois du monde vont se réunir à Rome. Ve'akadosh Baruch Hu ya'ir aleihem esh u'barad va'avne el gabish. Ah, Kadosh Baruch Hu va déverser sur eux. Ya'aré, un héroï, clirichon. Un héroï, il va leur faire ya'aré aleihem, il va leur déverser. Quoi ? Esh, du feu. Gofrit, du soufre. On a vu ça dans ce dôme. Esh ve gofrit. Ve'avne el gabish. Qu'est-ce que c'est avne el gabish ? C'est des pierres d'El Gabish. C'est quoi ces pierres d'El Gabish ? Des météorites. Comme ça, il y avait à l'époque de Yehoshua, quand il a fait la guerre, il y avait Avene El Gabish, des pierres qui sont tombées du ciel. D'où sortent ces pierres ? Des pierres qui ont tombé du ciel et qui ont explosé. Un météorite, quand il arrive, il explose. Et il y aura Avene El Gabish. Il y a besoin de ça, là, en bataille. Il y a besoin de missiles. Il y a besoin de quoi il y a besoin ? Il y a besoin que l'Amérique fournisse des têtes nucléaires, un lieu d'arme. Je suis comme d'avant, quand j'ai beaucoup, il a des têtes nucléaires là-haut. Elles sont prêtes, fabriquées, made in Borei Olam. Elles sont fabriquées depuis la création du monde. Elles se tiennent déjà dans le ciel. Elles attendent l'ordre de tomber, c'est tout. Ça va arriver bientôt. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de rien du tout à batailler. Ils veulent forcer les Bahourim à aller à l'armée, vous savez maintenant ce qu'il y a ? Première fois. On arrive, c'est la Géoula. Rabbonnet, c'est la Géoula. C'est là maintenant, c'est pas possible. Là, il y a eu un décret hier qui n'y a jamais eu depuis la création de l'État d'Israël. En plus, ils ont parlé, le Rav, il nous a dit depuis les... Là aussi, c'est revenu cette semaine, cette histoire, qu'ils veulent forcer, mais là, ils ont fait un pas qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont coupé tous les financements des Yeshivot. Tous les financements, plus d'argent aux Yeshivot. Plus d'argent aux Yeshivot, plus un shekel. Toutes les universités et tout ça, aussi, ils ne vont pas l'armée. Tout normal. Le financement, ce n'est pas ce qu'ils reçoivent comme aujourd'hui, 600 ou 700 shekels par élève. C'est le triple. Une université qui a un élève, à part ce qu'il paye l'élève, frais d'études, il reçoit pour chaque élève, l'université, par chaque élève, il reçoit par l'État, 2000 ou 2500 shekels, par chaque élève. Un baron yeshiva, un roche yeshiva, pas nous. Nous, on ne reçoit rien pour vous. Une yeshiva normale israélienne, jusqu'à maintenant, elle recevait 600-700 shekels par élève. C'est vital pour les yeshivas. C'est vital. Ça veut dire, sans ça, la yeshiva ne peut pas exister. C'est rien, ça. Ils ont décidé hier qu'ils coupent tous les fonds de toutes les yeshivot qui ne vont pas à l'armée. Merci Hachem Yitbarach, enfin. Enfin. Comment je dis merci, enfin ? Vadaï. Tant qu'ils donnaient aux yeshivot, ils pouvaient tenir. Ils avaient des pieds sur qui tenir. L'État d'Israël avait sur qui tenir. Qui c'est qui les tenait ? La Torah. Ils donnent à la Torah, ils ont sur qui tenir. Maintenant, ils se sont coupés les pieds. Et maintenant, ils vont tomber tous comme des mouches. Tout l'État va tomber. Tout l'État va s'écrouler, c'est écrit dans Maseret Sanhedrin. Tout l'État va s'écrouler. Baruch Hashem, enfin on arrive à ce moment-là. Comment ils vont faire les yeshivot ? Comment ils ont fait jusqu'à aujourd'hui ? Comment elle a fait la Torah jusqu'à aujourd'hui ? À l'époque de Rabbi Haïm Volojin, quand il y avait la première yeshiva, il n'y avait pas Misrad Adatot. Ce qu'on appelle aujourd'hui Misrad Adatot, ceux qui donnent des fonds aux yeshivot pour les Bahurim. Il
n'y avait pas là-bas Misrad Hadatot, à Volozhin. Et bien après non plus. Alors s'ils ont cru que c'est grâce à eux que la Torah va tenir, alors ils vont voir leur surprise. Et le Rav Tzadka, il a crié. Parce que vous savez comment ils sont. C'est pas eux. Eux, c'est les forces du mal. C'est pas eux. C'est au-dessus d'eux. Les forces du mal qui veulent arracher les Bahurim des Yeshivot. Vous savez quelle idée ils ont dit? Ils ont dit, d'accord, vous savez quoi? Dans les Yeshivot, nous, on sait, ils savent très très bien ce qu'il y a dans les Yeshivot. Dans les Yeshivot, il y a ceux qui sont assis et qui étudient. Et il y a ceux qui tournent dans les couloirs. Hein? Ils tournent dans les couloirs, ou ils tournent même au Beth Midrash, ou ils se tournent les pouces, même assis. Alors, je ne comprends pas. Ceux qui étudient, bon, et on voit, hein, on veut un quota d'élèves qu'ils aillent à l'armée. Ce quota-là, vous pouvez les donner avec les élèves qui n'étudient pas. Ah, c'est une bonne tarna, ça. Rav Tzadka, il a parlé cette semaine. Il a crié. Il a crié. Il a dit à un élève, même s'il n'étudie pas la yeshiva, même s'il dort, il fait un peu de tfilot. Et surtout, il fait pas d'averot. Il fait pas d'averot. Même s'il dort, même s'il tourne les pouces, il est protégé. Aujourd'hui, la yeshiva, c'est pas malheureusement seulement pour devenir un Talmid Chacham, c'est pour rester juif. Ça, c'est la yeshiva aujourd'hui. La yeshiva, c'est la survie du peuple juif. La survie. On est en mode survie maintenant. Quand il n'y a plus de batterie dans le téléphone, il nous change de truc. Toutes les lumières s'éteignent, tout ce truc, hein, dans l'ordinateur. Mode éco, économie. Hein? Économie. Oui, mais il y a économie presque jusqu'à la mort. Il y a deux. Il y a un à la fin, il reste 5%, il est presque mort. Tu n'arrives plus à voir plus de lumière. Il est allumé. Mais il n'y a plus rien, et ça ne marche plus. Ah. Il reste 5%, il va mourir. Il ne va pas mourir. Là, il reste 5%. Là, il reste 5%. On est en mode survie. Aujourd'hui, la yeshiva, c'est pour certains peut-être devenir Talmid Chacham au niveau de la génération. Et pour la majorité, c'est pour rester juif. Ça, c'est la yeshiva aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Comme ça, il dit Rav Tzadka sans arrêt. Rester un juif normal, c'est aujourd'hui impossible, impossible en dehors de la yeshiva, impossible. Impossible de tenir, on en a parlé cette semaine, la semaine dernière, de rester un juif, mekayem, Torah ou mitzvot, en dehors de la yeshiva, rabotai, c'est impossible. Impossible de faire attention à ses yeux, c'est impossible de faire attention au lashon hara, c'est impossible de faire attention à ses pensées, c'est impossible presque d'être droit dans les affaires. Presque impossible. Impossible dehors d'être un juif. C'est impossible. À la yeshiva, Baruch Hashem, même s'il dort, et il n'étudie pas beaucoup, et il est là, et il rigole, et il traîne, il ne fait pas d'averot. Et il fait un petit peu de filot. Et ça, vous voulez prendre? Jamais de la vie, en ce cas. Même pas un bahour on vous donne. Même pas un bahour on vous donne. Pas un. Ni quota, ni 5%, ni 10%, pas un, on est mévater. À l'armée, vous savez ce qui se passe à l'armée? Des phrases qui disent, là, mais je ne veux pas te dire pour ne pas salir la kedusha du Beit HaMidrash, ce qui se passe à l'armée. Bar Minan, ce qui est à l'armée. Et toute l'armée, c'est un gouffre, c'est un organisme qui est anti-religieux, qui est hiloni, qui est gauchiste. Et tout celui qui rentre là-bas, malheureusement, il est obligé de céder sur beaucoup de choses de notre Torah, Kedoshah. Pas un, il ira là. Ah, on vous coupe? Il était temps que tu nous coupes. Tu nous coupes les fonds. Enfin, on se sépare. Enfin, parce que cette association-là, elle n'était pas bénéfique ni pour nous, ni pour vous. Enfin, Baruch Hashem. Il y en a qui se sont coupés avant eux. Baruch Hashem, tous ceux qui n'ont pas pris d'argent de l'État durant des générations, pas des années. Satmer, Ravarié, Chirier, il y a encore beaucoup de tzadikim qui ne touchent pas à un sou de l'État. Nous aussi. Nous, de toute façon, même si on veut, on ne peut pas. Mais même si on pouvait, on ne l'aurait pas fait. On avait l'occasion de le faire, on ne le fait pas. On ne peut pas avoir l'argent.
avarié, il a fait Mesirut Nefesh, et Satmer, tout Satmer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de tzadikim dans notre génération, et ce n'est pas depuis notre génération, c'est depuis la création de l'État d'Israël. Ils n'ont pas voulu prendre un sou de chez eux, parce qu'ils savaient que chaque sou de chez eux, c'est du poison. C'est du poison. Et bien, au Hachem, maintenant, on y est. C'est une très bonne nouvelle. Et les rabbins, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Pourquoi on vit sur vous, on vit. C'est vous qui vivez sur nous. C'est vous qui vivez sur la Torah. Hier, j'ai plusieurs fois, la semaine dernière, à une brite, là-haut, et on vient, on me dit bonjour, tout ça. Certains que je reconnais, certains je ne sais pas c'est qui. Il me dit, comment ça va, Kvodara, vas-y. Ah, bon, Hachem, je reviens de Gaza. Gaza, 5 mois, 6, 5 mois. Hier, j'ai vu encore un autre. 5 mois, il était à Gaza. Ah, je suis revenu de Gaza, vas-y. Bon, à Karatatov. On peut mettre l'État à part, la Tsahal à part, rien à... C'est un juif. Il est parti là-bas. Il s'est mis en danger. Il a quitté sa famille. Tout ça, c'est pour nous protéger. À Karatatov, bataille. Faut bien faire la part des choses. On prie pour les Hayalim de toute notre force. On prie pour les Hayalim. C'est des Yehoudim, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont en danger. S'ils sont là-bas, pour quelles raisons ils sont là-bas, c'est notre affaire. Aval, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont en danger, et ils se tuent pour nous. Pour nous, ils se tuent. Pour pas qu'il y ait encore des missiles qui tombent ici, pour pas qu'il y ait encore des dangers, pour pas qu'il y ait encore des... C'est Hachem qui gère tout, mais eux, ils se tuent pour nous. On est Hayav Lahem Akaratatov. Alors je lui dis, maman, j'ai tout mon cœur, lui, encore un autre, la semaine dernière aussi, Shabbat, vas-y. Tout mon cœur, Toda Rabba, Toda Rabba, Toda. Ma Toda Rabba, il me dit. Ma Toda Rabba. Il me dit, si c'est pas vous, non, on peut rien faire. Bémet, il me dit ça. Ma Toda Rabba. Tout ce qu'on a tenu là-bas, c'est grâce à vous. Tout ce que j'aurais venu vivant, il me dit, c'est grâce à toi. Bémet. Bémet. Nahon. Nahon. Moi, je fais mon devoir de te dire merci, parce que Bémet, je te remercie. Mais c'est vrai. C'est vrai que la Torah, c'est la source de tout. La Torah, c'est la source de la vie, de la bracha, de tout. C'est pour ça que eux, ils croient qu'ils nous font à nous du mal en nous coupant les fonds, Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se couper les jambes à eux-mêmes. Parce que tout ce qu'ils tenaient, c'est sur nous. Sur nous, sur vous, sur leur lama Torah. Comme ça, il dit le Rahaim sans arrêt. La Géoula vient grâce à la Torah. On doit être fier. Et on ne doit pas avoir peur de rien du tout. Continue. Rabbi Shimon. Et il dit Akadosh Baruch Hu Ya'ir Aleihem Esh Ubarat Ve'Avnel Gabish. Ces pierres-là, voilà pourquoi on a parlé de tout ça. Il n'y a pas besoin de Tsahal. Il n'y a pas besoin de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a des bombes atomiques qui sont déjà prêtes de là-haut. Il n'a pas besoin d'acheter ni chez Poutine, ni chez. Le dernier. Quoi là, Orlamazé. Il n'a pas besoin d'acheter chez personne. Akadosh Baruch Hu, c'est le fabricant. Et des bombes atomiques à Habibi, qu'encore des milliards d'années d'études, tu n'arriveras pas à en créer une comme ça. Un météorite. Vas-y, va créer un météorite. Et il tombe, et il fait boum. Vous savez, il y a un météorite qui est tombé en Russie il y a peut-être 5-6 ans. Des vitres, elles se sont cassées à 300 km de périmètre. Des vitres, elles sont cassées. 300 km. Un météorite. Et ce qui est tombé, c'est une petite boulette. Parce que le météorite, il arrive, il est grand. Mais quand il arrive sur Terre, il devient tout petit. Toute la Russie, toute la région, elle a tremblé. Un météorite. Et Kadosh Baruch Hu va faire tomber Esh, Vegofrit, Vavnel Gabish. Spectacle. Veyovdou Meolam, qui? Toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde vont être détruites. Exactement ce qu'ils voulaient faire. Venahaforu. Qu'est-ce qu'ils disent? On veut exterminer Israël. Traqué. Exterminer Israël? Attends, tu vas voir. Toutes les nations! C'est quoi? Exterminer toutes les nations? Beyom Echad. Ou je la lave la voix. Ve'yachzeru ahakar la'asot milhamot achirot. Non, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, allez, il faut terminer. On a rajouté une heure. Ah, il y a des rois, Baruch Hashem, ils ne sont pas partis à Rome. Il y a des rois, ils ont dit, oulala, c'est dangereux, on va aller à Rome, c'est dangereux. Ils ne sont pas partis là-bas, donc ils sont restés vivants. Oui, ils sont restés vivants.
Ils vont venir après faire d'autres guerres. Ils continuent la guerre, cela. Au bismanao ya'ir melech hamashiach bechol ha'olam va éclairer le melech hamashiach, il va illuminer toute la terre. Ve'itasfu elav kama amim ve'kama tzevaot mikol kitzvei ha'olam ve'chol bnei Yisrael itasfu b'mekomotehem ad shenishlemu ha'shanim ve'higiu le'mea, jusqu'à qu'on arrive à 100 ans. Az itchaber avav behe. Là, le vav, la lettre vav, va se joindre à la lettre He. Vous savez qu'il manque la lettre Vav et He. Yod ke Vav ke. Yad al kesia. Il hama ba Amalek. Quand il y a Amalek, il n'y a que Yod ke. Il manque Vav He. Là, le Vav, il va rejoindre le He. Behaya kise shalem. Et le kise d'Hashem Yidbarach, il sera shalem, il sera entier. Ah. Et toutes les nations vont amener des offrandes à Hachem. Ça y est, tout le monde va reconnaître Hachem Yidbarach. Dans le monde entier, toutes les nations vont reconnaître Hachem. Là va se dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Et là, il restera encore Ishmael, cette clipa-là, Ishmael, qui viendra sur Yerushalayim avec toutes les nations du monde qui restent pour faire la guerre sur Yerushalayim. Shikatu va'asafti et kol ha'goyim el Yerushalayim la milhama. Il dit Hachem, c'est Hachem qui fait ça. Je réunirai toutes les nations, tous les goyim, toutes les nations à Yerushalayim pour faire la guerre. Shikatu v'ityatzevu malchei eretz, ils vont se tenir les rois du monde. Shikatu v'yoshev v'shamayim Yisraël, et Kadosh Baruch Hu, il est assis dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Hachem, Hachem, il Israël. Hachem, il ag l'amo. Hachem, il ag l'amo. L'amo, pas les amo. L'amo, la hem. Hachem, il ag l'amo. Hachem, il se moque de. Surtout, je te. Hachem, Hachem, il Israël. Hachem, il ag l'amo. Hamoudim. Hachem, il ag l'amo. Le petit vav va se joindre avec le he ou le hadesh neshamot aishanot qui est le hadesh aolam, venir pour renouveler les anciennes neshamot afin de renouveler le monde. Que moi je katou vismah Hashem b'mahasav v'katou v'hi chavod Adonai le'olam que je gedeshit itchaber im vav karaui. Smach Hashem b'ma'asav, le horid ma'asav la'olam, de faire descendre ses actions dans le monde. Shitiyena kulan briyot hadashot, il y aura tous, tout le monde aura un roi hadash, tout le monde sera, on sera tous des nouvelles créatures. V'itchabru kol ha'olamot kulam ke'ehad, toutes les olamot vont se joindre dans les cieux et sur terre, ça va faire un effet incroyable. Ashrehem, Ashrehem, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Shimon. Tout ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. C'est une voix. Ashrehem. J'ai envie de lire en araméen. Zakain inun kolinun deishtaun be'alma besiyafe elef shetita'a. Ashrehem. Ceux qui restent dans le monde à la fin du sixième millénaire. Ashrehem. Les me'al be'shabbata pour entrer dans Shabbat. Oui. 6000 ans, c'est un jour, d'accord? Un jour, Shachem, Yitbarach, c'est 1000 ans. 6000 ans, 6 jours. Après 6e jour, qu'est-ce qu'il y a? Shabbat. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Mais Aino Ilam Haba, Shabbat Kodesh, d'accord? Shabbat Kodesh, c'est Mein Olam Haba. Olam Haba, c'est le 7e jour. Le 7e millénaire s'appelle Olam Haba. Heureux ceux qui passent du 6e millénaire. Qui sont, là, on est Erev Shabbat. Erev Shabbat. On est Gam Erev Shabbat Kepchuto et Gam Erev Shabbat dans leur Olamot. Qui azru yom echad l'Hashem levado. Il est le jour unique, ça veut dire unifié uniquement. Pour Hashem, l'izdaveg imahe karaoui velilkot neshamot hadashot siyu baolam yachadim neshamot aishanot siyin nesharu mitahila shekatuv vaya nishar bitzion vanotam birushalayim kadosh yamer lo kol hakatuv lechaim birushalayim shtabach shemunat. Continue encore beaucoup. Il faut encore peut-être 2 heures de chiot.
Faut qu'on fasse tout dans les détails, toute la suite, il y a encore une très belle suite. Peut-être. Non. Peut-être qu'on va la voir de nos yeux la suite. Pourquoi ça? Peut-être qu'on va la voir de nos yeux la suite. Là, on s'arrête en plein suspense. Et la suite, on va la voir. Pourquoi tu veux qu'on la lise? Zat Hashem. En attendant, il faut qu'on tienne le coup, il faut qu'on tienne la route, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Ben Azmanim, la frotte, faire attention. Faire attention, on est à la fin des temps, Rabotai. Il faut énormément se protéger, il faut se sauver de tout mal, de tout appareil. Il faut se sauver, il ne faut pas rentrer dans une chambre où il y a Internet, où il y a un appareil. Il faut se sauver de tout mal. Il faut courir au Beit HaMidrash. Il faut rester au Beit HaMidrash. Il faut étudier la Torah Kedusha. Yomam Balayla. Toutes les forces, tout ce qu'on peut. C'est à nous qu'on parle. Tzav et Aaron et Banav, c'est à nous qu'Akadosh Baruch Hu parle. Nous, Bnei Torah. Shrechem Bnei Torah. Vous connaissez cette chanson? Alomdim ba yeshiva, Ashrechem bnei Torah. Alomdim ba yeshiva, Ashrechem bnei Torah. Alomdim ba yeshiva, Ashrechem. Bemat, ממש אשרינו, מה טוב חלקנו, כזכינו לעסוק בתורה הקדושה. עדת, באמת, כמו ידי רבי שמעון, אשרי, celui qui est le sixième millénaire, il encore là, יהודי כשר, il essaye d'être כשר, et il rentre בערב שבת, bientôt. On rentre dans le Olam Haba, on est le dehors de la transition. Le dor de la Géoula, c'est bon. Comme ça, il a dit Rabbi, tiens. C'est sûr que notre génération, c'est celle du Mashiach. Sûr. Rabbi Tia n'y parlait jamais. Et quand il parlait Betachlit Adikduk. Be'ayoun. Jamais il parlait. Et s'il parle, c'est qu'il avait quelque chose à dire. Et il a dit de leur bouche, de ceux qui ont entendu, de lui, j'ai entendu, ils étaient trois. Il leur a dit, Atem tirou et tamashia. Ils lui ont dit, Rav Kvodarav, vous, Rav Kvodarav. L'eau, Atem tirou et tamashia. Vous allez voir le Mashiach. C'est vous qui allez le voir. Le Mashiach. Atem tirou et tamashia. Je t'ai marché, mon âme. À nous, il nous reste qu'à se renforcer, qu'à tenir le coup, qu'à être encore meilleur en limoud, encore meilleur en midot. Étudier beaucoup de moussard, il faut qu'on étudie beaucoup de moussard, comme ça on a parlé hier, il faut qu'on fasse attention à notre irat shamaim, qu'on augmente notre irat shamaim. Bezchout ze, bezot Hashem, pas que nous, tout Am Israël, grâce à vous, tout Am Israël, sera zoché la Geoula, be Yeshua, be Rahamim, be Mera, be Amenu, Amen, Kedirat Sarah.